faut que je vous parle de mon expo. Oui. Je sais pas quoi dire là, comme ça vite. Mais je suis très très heureux de mon exposition. Alors prendre par le trou de la serrure une petite séquence narrative des petits enfants qui font des choses curieuses. Alors ça me réjouit. Curieuse et quotidienne. Ah, c'est ça. Voilà. Merci. Oui, Il est incapable de marcher. Hein, il tombe.
Alors, voilà, pour quelques mots, j'ai eu le privilège de capter ces choses-là. Et j'en suis très heureux. Je vous remercie de votre présence. Ça me touche profondément. Oui. J'ai écrit ce texte-là. Je le dédie à cette petite fille à la crème glacée. Et aussi à mes petites filles, à mes petits-enfants et à tous mes petits-enfants du monde. Cheveux en bataille, œil vif et d'onyx, bouche rouge et joyeuse, ne t'arrête pas. Assassine le désespoir, pilote dans la mer, ne t'attarde pas dans les voies classées, foule la dentelle des vagues qui se déploient sous un ciel vierge. Roule dans le sable gras pour changer le cours des choses. C'est une prière. Tu combattras les ciels métissés, la chaleur éternelle, les pluies d'iceberg. L'univers a besoin de ton rire, de tes cabrioles, de ton corps de pomme. Ne te laisse pas abattre par les nuages fous, les girouettes sans âme. Les hibiscus et les azalées poussent vers le nord, les lichens et les rossels rampent vers le sud, pour te bercer, pour veiller sur toi. Dans la topaze du jour, ce sont nos phares. Il n'y a plus d'oracle que des ouragans, des tsunamis, des tours transpercées, des mouettes pétrochimiques. Et il y a toi, sur la plage, qui joue à la marelle, qui lèche l'univers et ses perles de glace, et qui me sourit, Ike men sonrie, à fendre le ciel en quatre.